Salut à tous, vidéo donc du soir, puisque nous sommes bientôt au mois de juin, il est à peine 20h, je peux pas te mentir, c'est juste là. Et pratiquement 21h, il fait déjà nuit. C'est une catastrophe. Un jour je ferai peut-être une vidéo là-dessus et j'ai eu une illumination sur il y a Yann Fleurin. Pour le coup, donc nos amis québécois, je leur fais un petit coucou. J'aime beaucoup ses vidéos et il avait traduit donc une des dernières interventions donc au VivaTech donc avec Elon Musk. Et moi, c'est quelqu'un que je suis plutôt de très loin. Je ne suis pas un grand fan, je ne suis pas quelqu'un d'assidu, mais je remarque à chaque intervention ou quoi que ce soit, cet enthousiasme ou cette obsession de vouloir en fait coloniser pour le coup. Mars, on va essayer un petit peu d'en discuter, même si j'ai pas la réponse. Alors tu vois, je me rends compte que j'aime bien faire ces petites introductions, tu vois, comme ça, et après de me lancer. Mais c'est pas devenu une habitude ou une obsession, c'est, je trouve, assez agréable. C'est vraiment une belle transition pour pouvoir amener donc à un développement où là honnêtement je n'ai absolument pas la réponse. Sachant que on a un petit peu abandonné donc les projets sur la Lune, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans ce type de débat, mais cette obsession est vraiment omniprésente. On peut aussi se demander, je l'avais déjà expliqué, donc quel est le rôle de Tesla dans tout ça, les batteries, le solaire, photovoltaïque, etc. Et c'était assez intrigant sur donc l'intervenant du VivaTech qui disait voilà, est-ce que en gros on en rigolait, tu vois, limite on en rigolait, t'sais. Alors que je trouvais que c'était un sujet qui était extrêmement intéressant. Est-ce que vous êtes un extraterrestre? Non, je ne crois pas aux extraterrestres. Je pense que nous sommes seuls dans la galaxie et un petit peu comme l'Occident aurait donc on va dire, ce serait l'Europe lorsque elle est allée. Donc, penser à aller en Inde et aller aux États-Unis, en Amérique donc du Nord, eh bien, aller répandre un petit peu, sauf qu'il y avait quand même des gens sur place, au final, c'est ça qui est un truc de fou. Entre guillemets, on a dit les Indiens, les Amérindiens, etc. Donc, entre guillemets, ces peaux rouges, donc des gens qui avaient la peau un petit peu rouge comme ça. Il y aurait tellement de choses en fait à dire. Et d'aller donc coloniser Mars sous prétexte que nous serions seuls et qu'il faudrait perpétuer ce que l'on a toujours fait de s'expandre. C'est un petit peu donc le ressenti que j'ai eu, l'argument. C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Et là, ça va être vraiment un échange. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Le but, c'est pas de générer des commentaires pour générer des commentaires, mais vraiment. Tout tourne autour de cette obsession. Il a un t-shirt, il mange Mars. Non, c'est pas la barre chocolatée. Calme-toi. Non, non, il boit Mars. Le gars est vraiment à fond sur Mars. Et on voit bien que de toute façon, on n'a pas les capacités intellectuelles, on va dire, hein, puisqu'a priori, on aurait de quoi faire sur cette Terre pour éventuellement donc aller ailleurs. Je dis bien a priori ailleurs. D'ailleurs, je te pose une petite question. Sans prétention, peut-on passer la ceinture de Van Allen, par exemple? Moi, je me pose cette question. Donc, voilà, est-ce que ça serait déjà dans un premier temps, soi-disant, il y a donc des satellites, il y a eu des sondes qui y sont allées, éventuellement, peut-être des robots qui iraient peut-être avant. Est-ce que on mettrait pas une fécondation in vitro, par exemple, et coloniser de cette manière-là, tu vois? Par exemple, je ne sais pas. Et vraiment, je suis assez perdu dans tous ces contentements, mécontentements. Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On a quelqu'un, en fait, qui est a priori quand même brillant, voire extrêmement brillant. Et qui vient donc en intervention devant tout un parterre, je ne sais plus, de personnes, on va dire, haut gradées. Enfin là, ce n'était pas l'armée, hein, c'était clairement donc, des jeunes d'université ou quoi que ce soit. Et il vient avec cette facilité, et voilà, c'est assez facétieux, tu vois, balayé d'un verre de main,
de main en disant voilà, nous sommes seuls dans la galaxie. Quand tu as par exemple quelqu'un comme Alexandre Astier qui vient te dire que nous avons tant d'exoplanètes, je vais y arriver. Je ne sais pas, je ne sais pas en fait où on doit aller. Donc je trouve que ça va très bien, tu vois, à cette heure-ci, un petit peu dans la pénombre, un petit peu mystérieux. Donc je trouvais que c'était un petit peu trop facile son argument. Nous sommes seuls donc sur dans la galaxie, et donc la Terre doit et les Terriens doivent faire entre guillemets. D'ailleurs, il disait qu'il y avait plus de mer que de terre, donc on devrait s'appeler pratiquement la mer, et on devrait donc s'expandre sur d'autres planètes ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui vont dire on est quand même en train de saccager donc toutes les ressources, donc protégeons-la. Donc, je dirais qu'au niveau de la démographie, il n'y a rien qui est fait, ni en Occident, ni ailleurs, pour essayer de raisonner les choses. Je pense que de toute façon, rien n'est irréversible, puisque beaucoup de choses, par exemple, qui étaient en plastique, reviennent en bois. Je pense que c'est pas plus mal, parce que c'est même pas que c'est recyclable, de toute manière. C'est que du bois, tant qu'il y aura des forêts, il y en aura toujours, et tant qu'on arrivera un petit peu à préserver tout ça, donc on va dire que ça c'est l'avarie, malheureusement, donc le côté avare des gens de ne penser qu'à soi et de se dire on va bien trouver une solution, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était très facile de sa part, en tout cas, de balayer comme ça d'un verre de main, comme ça, en disant non, non, mais il n'y aurait personne à côté, en dessous, peut-être au-dessus. Je trouve ça extrêmement présomptueux. Je me suis intéressé à un moment donné, par exemple, donc aux pyramides, et c'est très intéressant. Et oui, Antoine. Oui, donc j'ai été coupé, on va dire, et j'ai pas trop l'habitude d'être coupé. En fait, il y a plus de questions que de réponses sur les pyramides, les Aztèques, les Incas, tout ce que tu veux, les mégalithiques, enfin tout. Tout ce type, on va dire, de pierre, qui, oh là là, et tu sais, on dirait que je suis en train de la. Ah! Et oui, on ne peut pas sortir, il pleut toute la journée. Voilà, ça aussi, on ne sait pas l'expliquer. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça extrêmement présomptueux de sa part. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. L'île de Pâques. Il me semble, hein, notamment, où on a des grands rochers et on voit la débauche d'énergie. Il y en a après fantaisistes qui vont dire que tout a été coulé, par exemple, pour les pyramides ou quoi que ce soit. Non, mais les pierres venaient de loin. De mémoire, ça venait de 150 km. Et il faut bien comprendre que les pyramides, la partie qu'on voit de l'iceberg, il y a au moins le double, le triple, le quadruple en bas. Bon, on savait faire, hein. Mais on avait déjà des techniques, on n'avait peut-être pas, entre guillemets, la technologie, le numérique, mais on avait des gens, tu sais, quand tu écoutes à l'école, ils ont cette facilité, tu vois, comme ça, voilà, chasseurs-cueilleurs, quoi. C'est compliqué. Franchement, je trouve que c'est compliqué. Moi, personnellement, j'ai essayé de regarder, chercher. À chaque fois, ça mène à un nœud de boudin. En fait, tu as un type qui est brillant, un très bon orateur, et en fait, il essaie de te vendre du vent. C'est toujours la même chose. Sur YouTube, c'est finalement tout ce qu'il te propose, c'est de la monétisation, te proposer en fait des produits d'Odin, d'autres choses, de machin, et tu n'as en fait rien de concret. Donc, voilà. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas. Mais j'ai trouvé que c'était deux choses étaient présomptueuses. De un, de balayer d'un verre de main tous ces exoplanètes et le fait qu'on ne serait pas seul en fait dans l'univers. Et aussi de dire, bah voilà, étant donné qu'on serait seul, il faudrait aller coloniser donc toutes les. Enfin, coloniser. C'est un bien grand mot. Donc aller finalement donc sur Mars, d'autres planètes, et puis aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc comme si en fait l'herbe était plus verte peut-être ailleurs. Donc, mais c'est. Pour moi, j'ai l'impression, au niveau d'Elon Musk, vraiment une obsession. C'est
voilà, durant l'interview et les autres interviews que j'ai déjà entendues, etc. C'est le nerf de la guerre. Donc, comme certains qui se cryogénisent et puis qui pensent revenir plus tard ou quoi que ce soit, Neuralink et tout ça, la performance. Donc, c'est une vidéo donc, clairement philosophique et dans le partage, parce que je trouve encore une fois à chaque fois sur YouTube extrêmement présomptueux. Il n'y a que les gourous qui font ça, qui disent ça existe pas. Je n'ai pas envie de croire que ça existe ou de ne pas croire que ça n'existe pas. Mais encore une fois, je trouve extrêmement présomptueux donc de sa part de dire qu'il n'y aurait rien. Il y a eu énormément de choses inexpliquées d'ailleurs dans l'aviation et au niveau donc militaire et voilà, c'est non identifié. Parfois c'est rien, parfois c'est des technologies que voilà qui étaient secrètes entre guillemets si on peut dire, mais il y a des choses qui sont compliquées à cacher. Donc est-ce qu'il y a un juste milieu entre la Terre est rien et peut-être Men in Black. Je ne sais pas. Donc voilà, vidéo un petit peu intrigante du soir. Qu'est-ce que tu en penses, Mystique, toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ailleurs que nous? Elle me dit les fourmis. Oui, les fourmis, il y en a partout dans le sol. Une catastrophe, hein. Il y a des petites galeries de partout. Elles sont partout, les fourmis. Partout, partout. Là, je vois, elles ont creusé dans leur robe et il y a de la terre qui ressort et tout machin. Elles sont formidables, ces petites fourmis. Elles arrivent à même creuser dans le béton. Moi, dans l'enduit en Vendée, elles ont réussi à creuser, à bouffer le béton. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mystique, de tout ça? Est-ce que t'as un mot à dire, toi? Hein? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Hein? Est-ce que franchement, il y a quelqu'un ailleurs? Franchement, moi, je sais pas. Allez, sur ce, ciao à tous.